Bonjour mes amis, bonjour tout le monde, David Orto. Nous allons voir comment utiliser Tableau Cosmic pour analyser cette table. Donc c'est vite cliquer sur Insertion, Tableau Cosmic. Puis on choisit une nouvelle feuille et on valide. Donc si on prend ici Marchandises, on va les mettre dans les lignes. On peut changer la taille de cette boîte de dialogue. Nous avons ici la liste de tous les éléments de cette colonne-là, Device. C'est-à-dire la colonne B. Si on prend la quantité, on va les mettre dans les valeurs. On a immédiatement le total. Ici, on peut fermer cette boîte de dialogue. On change le zoom. On clique sur création, disposition. On choisit la forme tabulaire. Et voilà, nous avons la quantité, la somme des quantités par objet. Maintenant, vous avez ici la somme des quantités et on a le prix unitaire. On fait clic droit, afficher liste des champs. Si on enlève quantité, on ajoute le prix unitaire. On a la somme du prix unitaire. Ce peut que ça soit pas intéressant. Ce peut que vous cherchez par exemple le prix maximal ou bien le prix minimal du prix unitaire. Donc dans ce cas-là, on clique sur la suite du B3. On fait un double clic, on prend la valeur max. Voilà le prix maximal. Pour changer le format des nombres, clic droit, format des nombres. On prend monétaire et voilà, immédiatement nous avons la valeur maximale. Pour avoir la valeur minimale, on fait un double clic ici, on prend la valeur minimale. Pour avoir valeur maximale et minimale, on ajoute prix unitaire ici. Encore une fois. Et là, dans ce cas-là, ce qu'on va calculer, on va calculer. On a min, on a max, on clique sur. Ce menu-là, on prend paramètres du champ de valeur, on prend max. Et pour la somme, dans la colonne D, nous avons la somme pour calculer la moyenne. Je double-clique sur la cellule D3. Et ici, on prend la moyenne. On prend le nombre, format des nombres monétaires et on valide. On valide pas, OK. Ça, c'est la première méthode. Deuxième méthode, on fait clic droit, puis afficher liste des champs. Et dans la zone des valeurs, on cherche la somme ici, on clique sur ce menu là, puis les paramètres. Dans les paramètres, on prend moyenne, puis on prend format des nombres, on prend monétaire, deux chiffres à plusieurs virgules, et on valide. On valide par OK. Et voilà la moyenne. Une autre méthode, c'est qu'il suffit de cliquer sur n'importe quelle cellule ici, on annule la cellule de bien la colonne D, on clique sur un clic droit. Ici, on a synthétisé les valeurs par la moyenne. Et puis, on fait clic droit, format des nombres. On prend monétaire, du chiffre à plusieurs virgules. Et on valide. Et voilà, nous avons ici la valeur minimale, la valeur maximale et la moyenne. Merci pour votre temps. Merci à vous, c'est une sélection de l'occasion pour recevoir des vidéos qui étaient agréables.